Le jeu vous donne 20. Incroyable. En vrai, une petite tourte là, ça vous tenterait pas un peu? Alors, ça c'est cuit, les présentoirs sont pleins. Ici, bah j'ai plus de tissu donc je peux rien faire de plus. Eh bah écoutez, ouais, puis de toute façon j'ai qu'un plateau. C'est dommage que j'ai qu'un plateau. Mais écoutez, c'est parti. On va voir la boutique. Il va falloir faire attention de voir. On recevra peut-être une nouvelle lettre, tu me diras. Bon, va vite falloir que je tue quelqu'un parce que j'ai plus de tissu. Vite, tuons quelqu'un. Vite, vite, vite. Ah, les clients arrivent. Mes chers clients. Je vous aime tant, mes chers clients. J'aime vous cuisiner. Arrachez vos vêtements. Quelque chose qui me plaît beaucoup. Bonjour monsieur, vous venez pour acheter ou pour vous faire tuer? Pour acheter, très bien. Ah bah, pas de soucis. Allez, je peux lancer une autre saucisse. Lançons une saucisse. Ah, attention, il y a des gens, il y a des jeunes gens qui arrivent. Je mange ma quiche. Je vais pouvoir tuer quelqu'un en haut, je crois. J'aimerais juste lancer ça, vite fait. Ça cuit pendant que je tue. Hop! Paf! Allez, hop! Emballé, c'est pesé, madame. Tac. Ça cuit. Présentoir se vide très vite. Hein. J'ai un peu de tissu. C'est vrai que améliorer pour avoir plus de tissu en tuant une personne, ça serait pas mal aussi. Bientôt cuit. Hop! C'est bon, c'est cuit. On va juste nettoyer. Hop! Les petites saucisses. Eh, hey, je suis déjà à 20 livres. Pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est tout propre. On va vite relancer. Ah oui, j'ai déjà plus rien, plus de vêtements, quoi. On va lancer un truc de couture. En vrai, j'ai masse de viande. Hein. J'ai même trop de viande, quoi. Bon, hop. Tac. Faut que je pense à bien tout surveiller. Hop là. Y a-t-il quelqu'un pour se faire tuer? Ah, attendez. Oh mince, oh zut. Attendez monsieur, attendez, regardez. Hop. Hop, bonjour monsieur. Que ça va, c'est pas trop risqué, tu es juste à côté. Bon, ça a l'air d'aller. Mais j'avais pas vu qu'il y avait une porte en fait. Donc ça c'est cool. Ça c'est cuit. Juste se jeter. Hop. On remplit vite le présentoir. Ah, les bénéfices arrivent. Cool. On nettoie parce que c'est important de garder un établissement propre quand même. Hein. On n'est pas des... On n'est pas des cochons. Alors, vite relancer des tourtes. Ah oui, il faut que je lance la couture. Hop, parce que en plus c'est long. Tac. J'ai un peu de viande hachée donc on va refaire un peu des tourtes. Même si ça se vend légèrement moins cher. Hop. Ça cuit. Est-ce que je relancerai pas un cadavre pour faire des petites saucisses en attendant? Hop. On n'est pas des souillons. Quand même. Ah, vite, vite, vite. J'ai un mannequin. Enfin, j'ai un vêtement. Ah ouais, il va falloir que j'améliore la récupération de tissu, hein, je pense. On fait les petites saucisses. Ah, je vais avoir quelqu'un à tuer. Parfait. Je vais juste aller remettre ça sur le présentoir. Le présentoir se vide à une vitesse. Allez, va mettre ça. Vous, madame. Pif. Dans la glotte. Eh, hey, j'ai atteint mon objectif. J'avais dit au moins 40 livres, on y est. Par contre, la journée est déjà finie, quoi. Ça va trop vite. Toi, t'en es où? On peut refaire une cuisine. Pas si j'aurai le temps de la vendre, mais bon. Hop, on nettoie. As fast as I can. Ah, je pense pas que ceux-là j'aurai le temps de les vendre, mais c'est pas grave. Ça sera fait. Relancer une petite couture. Ah, du coup, j'hésite à entreprendre. Ouais, c'est déjà fini, hein, purée. Ça va si vite.
Bénéfice du jour 38. Bah non, c'est marqué 44. Ah, est-ce que c'est parce qu'il y a eu deux clients impatients? Je sais pas. Je gagne des points de réputation aussi, j'avais pas fait gaffe. Je sais pas à quoi ils me servent, mais peut-être juste à attirer plus de monde. Courrier. Ah, il y a un nouveau truc. Merde. Attends. Mes très chers Rhode, Elliot Carson sera votre première cible. C'est un jeune homme d'affaires très ambitieux. Il est impossible de ne pas s'émerveiller devant ses récits de voyage. Il déambule dans la ville pendant son temps libre et discute avec tout le monde, y compris les gueux de la campagne. Il ne rechigne pas à fréquenter les établissements les plus sordides de la ville, puisqu'il prétend apprendre de nouvelles choses où qu'il aille. C'est un homme extrêmement vertueux, à tel point que c'en est écœurant. Tout cela jouera en notre faveur. D'ailleurs, vous devriez facilement pouvoir l'attirer dans votre bougue. Mais loin de moi l'idée de vous enfoncer, vous aurez sûrement le temps d'aiguiller votre demeure avant sa visite. Monsieur Carson est un personnage très charismatique et éloquent. J'ai eu le plaisir de le convier à quelques-unes de mes célèbres réceptions. Il est également bel homme, vous le reconnaîtrez rapidement. Ses yeux sont d'un bleu magnétique qui vous hypnotise au premier regard. Et sa taille est idéale pour n'en faire qu'une bouchée. Tuez-le et conservez son corps, j'en salive d'avance. Ah du coup, faut pas que je me serve de son corps. Je sais pas comment je fais ça moi. C'est perturbant. Alors. Si je prenais des tomates. Oh putain, les tomates sont super chères, la vache. Non, je vais faire ce que j'ai dit. Je pense que je vais prendre four rapide. Hop. Voilà. Ah non, oui, j'avais fait 38 de bénéfices. J'ai fait que 38 de bénéfices, mais il me restait encore un peu de sous de la dernière fois, je crois. Et je vais prendre machine à couture à coudre rapide. Et après, je prendrai habit volé parce que. Comme ça, je récolterai plus sur chaque cadavre de vêtements. Ça sera pas mal. Ok. Alors, oh là là, j'ai plein de trucs à cuire. On va faire des saucisses. On va faire plein de saucisses. Tac, ça, je peux y mettre. Parce que là, j'ai déjà plus de tissu, quoi. Eh, c'est pas si évident que ça de faire plus de bénéfices. Eh ouais, bah, je peux rien faire. Faut que je vole des vêtements, bah ouais. Ok, un plateau. Ah oui, mince. D'abord que je mette ça. Hop, on va remplir ici. Pourquoi tu es une personne qui a l'air si bien? Un bel homme en plus. Ah bah, je sais pas. C'est un bel homme. Mais ouais, mais ils se disent, bah, forcément, s'il est bel homme, peut-être qu'il a meilleur goût, tu vois. Hop. On relance un petit plat. Tac. Je sais pas du coup si par mégarde je peux cuisiner le mec qu'il faut que je tue. Parce que du coup, faut que je garde pour notre client spécial. Tiré par sa grosse panse. Ah bah ça y est. Je vous ai perdu. Déduce de fric que t'avais déjà. Ouais, c'est ça en fait, ouais. Hop, prépare les petites saucisses. Le présentoir. Ouais, je peux encore mettre un truc dessus. Bon, lui, il s'ennuie. Hein. Il cocolise, tu vas bien. Hop, je prends ça. Je vais mettre sur le petit présentoir. Il faudrait qu'on ait le temps de décorer et tout. Je sais pas s'il va passer maintenant, le client, ou pas. C'est de la genre... C'est de la viande raffinée. Oui, c'est ça, en fait. C'est du bœuf de Kobe. Ah, vous en avez déjà mangé, du bœuf de Kobe, d'ailleurs? Moi, je ne crois pas. Il me semble pas. Apparemment, c'est extrêmement bon. Mais c'est extrêmement cher, je crois, aussi. Hop. Bon, le seul truc un peu cher et qui est bon que j'ai mangé, c'est le steak de thon. Mais je crois que c'est pas comparable du tout. Mais c'est très bon, le steak de thon. Justement, on dirait de la viande, un peu. C'est extrêmement perturbant. Ok, bon, bah écoutez, c'est tout plein. C'est parti. On ouvre. Allez, allez, allez. Il faut qu'on fasse plus, là. Des sous-sous, là. Regardez, je me tiens déjà prête avec le plateau. Comme ça, dès que ça commence à se vider un peu, je vais aller mettre, genre, juste à côté. Normalement, là, les fours vont cuire plus vite. La couture va être plus rapide aussi.
Coucou Eldarik, tu vas bien? On cuisine des gens. Ah, regarde, bah, ça part déjà, incroyable. Je peux déjà relancer un truc. Là, on va déjà pouvoir tuer quelqu'un. Alors toi, même pas j'attends que... Hop! Même pas bonjour, hein. Clairement, là, j'ai besoin de tissu. Même pas bonjour. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le time. Hop. Hop, on relance des petites saucisses. Hop. Parfait, on nettoie. Ah oui, le four va plus vite. Oui, il y a du sang partout. Parfait, je relance vite la couture, parce qu'il n'y a plus rien à vendre déjà. Ah, c'est déjà prêt, parfait. Oh, la couture va super vite. Trop cool. Attendez, madame, attendez, regardez. C'est là. Achetez. Achète. Saucisses. Vite, des saucisses. Ce truc que j'ai mangé cher, c'est du caviar, un cocktail. Ah, j'en ai déjà mangé aussi, mais... Je comprends pas du tout l'engouement autour de ça. Hein. C'est pas spécialement bon. C'est pas spécialement mauvais non plus, mais... Je sais pas. C'est vraiment pas fou, quoi. Le caviar, jamais compris. Comme les cuisses de grenouille aussi, je suis désolé, c'est pas bon. Hein. J'en ai dû manger une fois, bon, c'était il y a méga longtemps, mais... Non, c'est pas bon, quoi. Oh là, j'ai plus rien sur les présentoirs, quoi. Oh! Les affamés, là. Calmez-vous. Vite, on nettoie. Mange tes morts. Ah oui, ah oui, bah oui, du coup ça marche bien, oui. Ouais, il faut que je récolte plus de vêtements sur les gens. Parce que là, j'ai déjà plus rien. Les saucisses. Bah oui, bah cours. Dépêche-toi. Attendez, madame, attendez, regardez-moi cette nouvelle petite tunique. N'est-elle pas de très bon goût? Bonjour, monsieur. J'ai juste besoin de nettoyer. Si, regarde, ça arrive. Hop. C'est bon, mais bon, il y a mieux. Ah, moi, je trouve ça très moyen, hein, franchement, ouais. Hop. La journée est déjà finie, quoi. À l'aide. J'arrive pas à faire plus de bénéfices que ça, quoi. C'est une catastrophe. Bon, le présentoir, pour le moment, il se remplit bien, quand même. Hein. J'ai pas eu trop de manque à ce niveau-là. C'est quoi le... C'est une sorte de Cluedo? Non, c'est... tu connais le film Sweeney Todd? Bah, c'est vraiment ça, en fait. C'est un jeu de gestion de restaurant, on va dire. Avec le tailleur qui est en haut. Le tailleur tue les gens, on récupère leurs vêtements, on recrée des vêtements avec, qu'on revend. Et on garde les cadavres pour faire de la cuisine. Voilà. Du génie, n'est-ce pas? Dernier client. Bonjour, madame. Allez, allez! Tu l'as. J'ai fait un petit peu plus de bénéfices, mais c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Et la journée est déjà finie, quoi. Ouais, il faut que je récupère plus de tissus sur les clients. On va améliorer ça. Ah, c'est déjà fini. Ça va trop vite. Ah. Ah. N'est-ce pas le bel homme? J'ai déjà un cadavre dans les mains. Comment je fais? Je pense que c'est le bel homme qu'on doit tuer. Alors là, normalement, j'ai déjà un cadavre dans les mains. Bon, ça va. Boum poloum. Le cadavre, il est caché là. Bonjour, monsieur Rhodes. Mon nom est Talion Carson. Le nom de cette boutique est sur toutes les lèvres. Et j'ai ouï dire que vos tenues sont d'une qualité inégale. Inégalée. Non, c'est pas la même chose.
Certaines de mes connaissances sont venues ici et m'ont dit de vous rendre visite. J'ignorais qu'il y avait un tailleur dans ce quartier. Les tenues exposées sont sublimes. Mais je vous suggère de passer un coup de balai. À propos, j'aimerais vous commander un costume pour mon prochain voyage. Enchanté, monsieur Carlson. Je me ferai un plaisir de vous confectionner une tenue. Quel genre de costume désirez-vous? Est-ce pour vous ou ce jeune homme? Je vais devoir prendre les mesures. Pour moi, voyons. Ah mais là, ça va être compliqué, il y en a deux à tuer, là. Il me faut un costume à toute épreuve pour la chasse. Ce n'est que mon assistant, en fait, comme s'il n'était pas là. S'il vous dérange, je le ferai sortir. Ah, est-ce que je vais l'embaucher, comme dans le film, justement? Peut-être. Pas vrai, mon garçon? Je ne ferai rien, monsieur. Excellent. Je passais simplement faire le tour de votre petite boutique. Je dois maintenant prendre congé, monsieur Rhodes. Je reviendrai d'ici peu, si vous voulez bien de moi. Absolument, revenez quand vous voulez. Ah, je le tue la prochaine fois, ok. Je vous remercie de votre visite. Ah, bien sûr, monsieur Carlson. Bah oui, comme ça, je le dépouille de son argent et après, je le tue, mais oui. Suis-je bête. Allez, le train se mêle. On s'en va. Dis au revoir, monsieur Rhodes. Au revoir. Oh, le pauvre. Pitchoun. J'espère que je pourrai le récupérer, ce petit enfant. Ça doit être la cible. Notre correspondant mystère ne plaisantait pas. La prochaine fois, j'aurai du pain sur la planche. C'est surfait comme le saumon à une époque. Le saumon, c'est bon quand même. Hein. Le homard, alors tout ce qui est fruits de mer, je suis vraiment pas fan. 2-3 crevettes à l'occasion, mais bon, sinon voilà. Mais le saumon, c'est bon quand même. Hein. Le problème de ce film, c'est une comédie musicale et je suis vraiment pas fan. Ah, d'accord. Je peux comprendre après les coups, les couleurs. Alors, on va lancer ça. Ta-ta-ra-ta-ta. Oh là, j'ai plein de cadavres à m'occuper, quoi. À s'occuper des cadavres. Hein. Bon, j'ai un peu de sous, quand même. Est-ce que je peux faire 2 améliorations? Je ne sais pas. Train se mêle. Ouais, c'est pas cool, hein. Ah bah, à cette époque-là, malheureusement, oui, c'était... c'était encore l'esclavagisme du peuple black. Enfin, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Bon, il n'y avait pas que eux, hein, mais en grande majorité, malheureusement. Bah, j'ai déjà plus de tissu. Oui, il y avait très peu d'hygiène aussi, oui. Ah oui. Ah, c'est la fameuse époque où ils jetaient, enfin il me semble, hein, c'est où ils jetaient tous les... Alors, on va faire d'autres saucisses. Ils jetaient tous les... Quoique c'est l'époque médiévale, je sais pas si à cette époque-là ils faisaient encore ça. Parce qu'à l'époque médiévale, c'est sûr, ils jetaient tous leurs déchets par les fenêtres. Il me semble qu'à cette époque-là, ils le faisaient encore. Hein. Coucou Tididi, tu vas bien? Tu es stagiaire comme tout le monde. T'imagines, t'appelles ton stagiaire Train Semelle. Allez, le gueux. Horrible. Mon dieu. Tac, ça y est. Bon, bah, le présentoir est plein, mais je peux terminer de faire des petites saucisses. Puis je vais regarder les améliorations après. Bon, pas de nouvelles recettes pour le moment, hein. Enfin je ne crois pas. Je pense qu'il faut que j'achète des nouveaux ingrédients, mais c'est cher, genre les tomates, 50 livres. L'époque médiévale, cela dépend, c'est parti puis revenu, c'est assez long comme époque tout de même, oui. On a continué de faire ça dans certaines villes jusqu'en 1900, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Tu me diras, à notre époque, il y a encore des gens qui jettent leurs détritus par les fenêtres. Hein. J'ai mes voisins, je sais pas si c'est ceux d'en haut ou ceux encore d'en haut, parce qu'il y a 2 étages au-dessus de moi, qui jettent vraiment leurs déchets par les fenêtres. C'est un truc de malade, mais vraiment. Des fois, je suis sur mon balcon, je vois un truc tomber. C'est un truc de fou. C'est horrible. Alors. Ouais, non mais vraiment, genre zéro blague. Hein. Qu'est-ce que on prend comme amélioration? Donc ouais, là, je pourrais acheter des nouveaux ingrédients, mais bon, on va attendre un peu parce que purée, c'est super cher. Je pourrais faire des steaks. Je vais prendre habits volés. Ouais, ça, on va y prendre clairement.
Comme ça, je récolterai un peu plus. Ah, j'ai pas assez pour une table. J'aurais bien voulu. Dans la serre. Ah, je peux avoir une serre. Ah, genre, rajouter des petites épices et tout. Je sais pas si je peux prendre autre chose. Il me reste que 24$. J'ai pas assez pour un nouveau mannequin. Je peux prendre une machine à saucisses pour faire plus de saucisses. Ou alors je garde mes sous. Un beau broyeur humain. Un beau broyeur. Mais ça, c'est pour la viande hachée, mais je peux pas en faire pour le moment. Je pense que je vais garder mes sous. Je vais attendre un petit peu. Merci beaucoup, Tididi, pour ton sub. Ton resub, pardon. Ton sixième mois. Un gros bisou. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de renouveler son abonnement, même si je peux pas souvent être là. Et bah écoute, déjà, ça me fait extrêmement plaisir que tu aies le temps de passer à l'occasion comme ça. Surtout si t'as pas le temps, ça me fait encore plus plaisir. Et puis merci beaucoup pour ton resub. Et justement, c'est pendant la guerre, donc en fait, je m'en fous de partout, tout va bien. Du coup, tout ce qui est nourriture, c'est extrêmement cher. D'où l'histoire du jeu, hein, c'est pour ça... Ah, c'est ma réputation, ça, d'accord. C'est pour ça que... qu'il y a des gens qui arrivent à de telles extrémités... faire cuire, voilà, remplacer la viande par de la viande de chat ou de la viande humaine, etc. Parce que vraiment, c'est de la famine et que c'est super cher. Enfin, voilà. Allez, ça arrive déjà. Avec un peu de chance, maintenant, quand je vais tuer quelqu'un, je vais récupérer deux tissus, ça aidera un petit peu. Allez, on remplit. Déjà, pour retourner faire une recette. Je vais pouvoir tuer quelqu'un dans pas longtemps. Bien le bonjour, ma petite dame. Et hop là. Allez, faut que je sois un peu plus rapide. Si je vais arriver à faire du bénéfice. Alors, je récupère combien de tissus là? Avec l'amélioration? Ouais, deux. C'est déjà un peu mieux. Écoute, c'est pas mal. Ça cuit. Parfait. J'adore voir le petit cadavre tomber. Allez, hop. Hop, on nettoie vite, vite, vite. Ah, il y a des gens qui arrivent. À l'aide. Elle vient pour acheter, mais il n'y a rien à acheter, du coup. Les saucisses. Oh, je suis déjà... Ah oui, mais non, mais oui, mais il me restait plein de sous. Je suis bête. Il me restait plein de sous. J'allais dire, je suis déjà à 34 livres, trop bien. Regardez, madame, regardez! Ça barre de mécontentement, donc faut que je me dépêche. Hop, on va vite relancer un truc. Bonjour, monsieur. J'arrive. Je viens m'occuper de vous tout de suite. Paf! Et voilà, ça fait des chocs à pic. Parfait. Hop, le présentoir, tac. Oh là, mais quelle journée. On en a des trucs à faire, hein. Hop, on va relancer des saucisses. On nettoie. J'ai très hâte de mettre une table pour voir ce que ça fait aussi. Si on met une serre, tu vas avoir du personnel en plus. Je sais pas du tout. J'aimerais bien vite faire un peu plus de bénéfices pour débloquer des nouveaux trucs. Hop, vite. Ça là. La cuisine. Hop, j'ai deux tissus. Parfait. Ça cuit. Présentoir, on est bien. Ah, nouvelle personne à tuer. Parfait. Bonjour, monsieur. Hop. Présentoir, là, on a un bon rythme. C'est plus sur les vêtements que ça part trop vite, regardez. Le problème, c'est que dès que je tue quelqu'un, il faut vite que je me dépêche de tout nettoyer, donc je peux pas mettre tout de suite un truc. Elle est où, ma meuf? Allez, saucisse. Il y a du sang partout.
Et regardez, la journée est déjà finie, ça passe une vitesse, c'est horrible. Vite, vite, vite. Allez, on va essayer de vendre encore un ou deux vêtements. Mais j'ai l'impression de faire de moins en moins de bénéfices parce qu'il me restait combien de dollars? 24? Il me restait beaucoup quand même. Utilise Vanish. Non mais non mais... Putain, je me trompe. $52, mais j'ai pas fait beaucoup en bénéfice. Tiantre. Ah mais ça passe tellement vite, ouais. Madame, bonjour. Paf. Ça me fera du 18 d'avance, hein. Allez, vas-y, personne va acheter mon dernier... Ah! Ça passe trop vite! Ah, le mec revient. Ah non. Oh. Mais elle est jolie. Bonjour madame. Putain, j'adore les robes de cette époque-là. Bonjour monsieur Rhodes. Je n'arrive pas trop tôt. La boutique semble fermée. Bonjour. Aucunement madame. Entrez donc. Désirez-vous une nouvelle robe? Oui, j'ai pris rendez-vous. Allez-y, je vous en prie. Mettez-vous devant le miroir. J'arrive dans un instant. Tout est nettoyé? Ouais, c'est bon. C'est bien ici. Cette trappe. Ces vêtements. Bon sang, Jack avait raison. Devrais-je lui dire? J'ai peur de sa réaction. Je suis venue pour une raison précise. Et je ferai tout pour atteindre mon objectif. Oh merde, elle sait. Mais du coup, on fait pas de vrai rendez-vous? Bah non. Vu qu'on les tue à chaque fois. Me voilà. Mettons-nous au travail. J'imaginais quelque chose de délicat. Dans les tons bleu clair. Si je puis me permettre, cette robe est-elle pour une grande occasion? C'est pour un enterrement. Dans ce cas, si vous voulez mon avis, le bleu clair n'est pas la couleur idéale pour cela. Cela importe peu. En réalité, personne ne me fera de commentaires. Je serai étendue dans le cercueil. Qu'entendez-vous par là? What? Je suis en train de mourir, et c'est irrémédiable. Je ne suis déjà plus qu'un fantôme dans ce monde. Si j'en avais la force, je mettrais fin à mes jours. Si seulement quelqu'un pouvait me libérer de ce fardeau, genre... Elle demande quoi? Oula, attendez, ça sent le piège. It's a trap. It's a trap. Je veux juste mourir sans souffrir. Et si... Percival, je suis désolée de vous interrompre, mais... Je dois vous montrer quelque chose en bas. Il dread, je travaille. Percival, je vous en conjure. Suivez-moi. Vous pouvez reporter votre rendez-vous avec madame, puisqu'il commençait tout juste. Pardonnez-moi, c'était peut-être une mauvaise idée de venir. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche l'a piqué? Que lui avez-vous fait pour la traumatiser autant? Absolument rien. Elle m'a raconté qu'elle était mourante. La pauvre. La pauvre, dit le couple qui tue des gens tous les jours. Bon, que voulez-vous? Venez, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le bordel. Oui, il faut que j'enlève les cartons, c'est ça? Oula. Alors, qu'en pensez-vous? De quoi donc? Vous ne remarquez rien? J'ai fait une petite décoration avec trois verres, c'est ça? Pas vraiment. Là-haut, j'ai mis des fleurs. Oh, d'accord. Super. J'ai voulu décorer un peu. Ça devrait plaire aux clients. Ils ont quelque chose à regarder en attendant leur plat. Cela vous plaît-il? C'est un bon début, mais cela ne suffira pas. Est-ce là la vraie raison de cette interruption? Eh bien oui, c'est d'une importance capitale. Cela aidera le quotidien de nos clients. Il est blasé. D'accord, retournez à vos tueries. Visiblement, c'est la seule chose qui vous intéresse. Non, j'ai d'autres passe-temps. Le bisou. C'était ça le passe-temps? Incroyable. Ils sont trop mignons. Alors, est-ce que... quel est le plus mignon? Est-ce que c'est le Baracha, le jeu de Baracha de la dernière fois, ou ce jeu-là? Quel est le plus mignon selon vous? Bon, je vais relancer un petit plat. Ah, j'ai plein de petits trucs à faire. J'ai pas vu combien j'avais fait de bénéfices, mais je crois que j'ai pas fait de fou, hein.
33. Putain, c'est pas beaucoup. Ah. Bon, je prends quoi? Est-ce que je reprends un mannequin? Il y a les tables aussi, mais je sais pas à quoi ça sert. Ah, je peux prendre de la décoration. Pour améliorer la patience des clients. Bon, c'est pas la priorité non plus. Présentoir, je pense que j'ai pas besoin d'en prendre un de plus pour le moment. Parce que là, il était pas vide une seule fois. Par contre, les mannequins, clairement, il m'en faut. Est-ce que j'ai de la... Non, j'ai pas assez, putain. J'aurais bien pris genre un ingrédient et... Coucou Phoenix. Table save pour les clients, pour manger sur place. Je sais pas trop... Ils disent pas trop. Peut-être que si c'est juste pour améliorer la patience des clients, vu qu'ils attendent pas forcément, c'est pas urgent. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'un mannequin, ça pourrait être bien, hein, mais... Attendez, ils en sont où, eux? Merde, mais non. Oh là, tous ces cadavres là qui s'empilent. On va refaire des petites saucisses, hein, parce que... Ça va pas du tout. Ou alors, ils mangent sur place et ils payent plus cher, peut-être. Vous en pensez quoi? On prend d'abord un mannequin ou d'abord une table? Ah, il y a un petit... Ah, j'avais pas vu, il y a un petit crâne qui me dit que j'ai un cadavre dans les mains. Là, j'ai que deux mannequins. En vrai, la table intrigue quand même. Une table. J'ai faim avec ce jeu, ils sont trop mignons. Mais oui. Et ils sont BG en plus. Carrément. Hop. Pour le moment, j'ai pas de personnel à recruter, non. Hop. Ah bah non, bah j'ai plus de place pour... Non. Bon, au moins j'ai un petit peu de tissu d'avance, ça c'est cool. Bon, et on a fait 33 de bénéfices, 33 livres. J'espère qu'on va arriver à faire plus parce que... Allez, écoutez, on va prendre une table. Comme ça, on verra ce que ça fait parce que je sais pas du tout. Ah, on peut prendre du gin, mais c'est pareil, c'est pour la patience. Ça, je sais pas du tout. Il me reste encore 22. Soit je prends un peu de déco, soit je garde. Je peux prendre la machine à saucisses pour faire plus de saucisses, mais bon. Je préférerais prendre des nouveaux ingrédients plutôt. Parce qu'avec les tomates, on peut peut-être faire des recettes qui sont plus chères. Ah! Je peux prendre une table de travail pour cuisiner davantage. Ça peut être pas mal ça aussi. Bloquer un four supplémentaire. Ah, j'hésite. Je crois que je vais garder mes sous pour le moment. Je vais garder les sous qui me restent. Nous avons enfin une table. Ah oui, il est là, à côté des cartons. Les clients peuvent désormais s'en servir. Je noterai les commandes. Ils serviraient de délicieux mets bien chauds. Est-ce qu'ils vont payer plus? J'espère. Ouah, la boutique est déjà ouverte? Ah non. Attends, mais je peux pas bouger, c'est bizarre. Ok, donc ils s'installent. Mais il va falloir que je cuisine en temps réel. Prenons d'abord la commande des clients. Je prépare ensuite ce qu'ils désirent. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors attention, tuto. Ils veulent un hamburger. On fait ça? Justement, de la viande hachée en cuisine, ils vont se régaler. Au fourneau, il me faut simplement de la viande hachée. J'ai pas besoin de tomates, etc. Putain, il y a déjà un truc dans le four, ça va être chiant, non? Oui, donc la table, ça débloque vraiment un nouveau truc, quoi. Qu'un plateau en vue. Bah ouais, comment je fais? Comment je fais pour faire mon burger? Parce que là, j'ai nulle part... Eh, mais attends, comment je fais, là? Est-ce que je peux poser le plateau, là? Ouais, mais... Ah, je suis emmerdée! Comment je fais? Parce que j'ai besoin du plateau? Ah!
Écoutez, je pense que je vais être... Ah ben non, je peux pas... Putain, je peux pas prendre d'amélioration. Comment je fais? Je suis emmerdée. Je sais pas quoi faire. Parce que là, je peux pas... Y a pas une poubelle? Je peux pas jeter au pire? Oupsi. Ah ouais, là, je suis coincée. En plus, j'ai pas les améliorations. Je suis emmerdée. Que fais-je? Je me balade avec le steak à la main. Et voilà. Un steak cru. Yes. Ah, en fait, j'ai besoin du plateau, mais il y a déjà un plat sur le plateau. Et le plat, je peux pas le mettre là-dessus parce que j'ai plus de place. Comment on fait? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas s'ils ont pensé à ça. J'aurais bien pris une amélioration pour prendre un autre présentoir ou une autre table, mais je peux pas. Ah si, attendez. Ah, j'ai trouvé. Ok, bon bah j'ai dû jeter mon plat. Hey, le jeu a omis quand même de me dire que c'était là. Hein. Bon, c'est bon. J'ai vraiment cru que j'étais coincé, je me suis dit, attends, non, c'est pas possible quand même. Ok, voilà. Faire cuire le steak. Et du coup, pour eux, le hamburger, c'est juste un steak, en fait. C'est un peu triste, quand même. Ouais, un autre plan de travail, s'il y a ça à gérer plus ça, ça va être assez primordial, je pense. Le plat est prêt à être servi. Client se lèche sûrement les babines. Plaçons le plat sur la table des clients. Hop. Ah, donc maintenant, on n'est plus juste un drive. Nous pouvons maintenant servir là, sur place. Et voilà. Dorénavant, je m'occuperai en priorité des clients attablés. Ok. Je pourrais avoir des plats déjà préparés sur la table de travail. J'ai du pain sur la planche. Les clients mangent bien, ça nous fera de la viande pour plus tard. Ok. Très bien. Là, c'est tout bon. Alors, attends, je me tâte à prendre une deuxième table quand même. Ah bah j'ai pas assez, merde. Non c'est pas ça, attends. Table de travail. Je vais en prendre une en vrai. En vrai, je vais en prendre une. Comme ça, ça sera plus simple. Ah voilà, du coup j'ai deux plateaux. Ok. Eh bah écoutez, avant de lancer... C'est l'hamburger de McDo, genre c'est juste l'hamburger. Vous voulez un hamburger, tu leur amènes un steak quoi. Ok. Préparer tout de suite un miam miam d'avance. Hop. Bon, pour ouvrir, je pense. Tac. Bon, allez. On va faire du bénéfice, là. On a de quoi faire. Quand on finit, passe sur l'assiette, je pourrais récupérer les restes. Hop, bon j'ai un plat qui est tout prêt. Bon ils sont où les clients là? Ah ça arrive. J'ai presque envie de préparer un autre truc d'avance mais... Ils prennent que des hamburgers ici? Ah, il faut que j'aille prendre la commande. Eh par contre ça va me faire perdre plus de temps. Hein. Ils veulent quoi? Ils veulent un steak, ok. Je peux remettre un truc ici. Hop. Ça, c'est la course. Allez, un petit hamburger. Hop. Bonjour, madame. Pardon, excusez-moi. J'ai omis de vous tuer. Je suis vraiment désolé. C'est la course aujourd'hui. Hop. Ça, je vais récupérer du tissu. Hop, le burger. Et on l'amène sur la table. J'ai 4 de tissu, c'est cool. Hop, on avait les steaks. Ok, parfait.
Je peux aller refaire des petites saucisses. Ah ouais, le présentoir est vide par contre. Hein. Il est vide de chez vide. Ah oh, mais la journée, regardez, on est déjà à la moitié de la journée presque. J'en ai passé une vitesse. Hop, 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 vite, 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 y'a plus rien. Ah merde, y'a une table qui attendait. Non, j'ai pas vu. Mes clients sont partis. Oh non, j'ai pas vu. Quelle nouillasse. Oh non. J'ai pas vu. Ils sont pas contents. Merde. Oh là là. Revenez, je vous tue. Attends, j'ai pris quoi là? Non, c'est ça que je voulais prendre. Oh, ça y est, c'est le bordel. Hein. Putain, j'ai plus rien sur le présentoir. Catastrophe. Elle est où? Elle est là. Oh, j'avais pas vu, je suis deg. Et puis, du coup, y a plus personne qui revient, super. Elle va au présentoir, ouais. Ah, faut bien que je surveille la table. Hein. Ah bah, y a une table qui arrive, je crois. Ouais, s'occuper de la table. En plus, y a un blink, mais j'avais même pas entendu. Hop. Ils veulent un steak, un corps. T'as commencé la course. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'aurais pas fait beaucoup de bénéfices encore. J'ai l'impression d'en faire de moins en moins, c'est terrible. Attendez, messieurs, dames, j'arrive. Y'a plus rien sur le présentoir, je crois. Hop. Allez, vite, 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 on va servir les clients. Ouais, d'accord, il l'achète un petit peu plus cher quand même. Hein. Quand tu leur sers à table. Mais regardez, j'ai fait si peu de bénéfices, quoi. À l'aide. En tout cas, il mange. Ah, elle est pas contente parce qu'il y a plus rien sur le présentoir. Ouais, bah, je fais ce que je peux. Vite, vite, vite. Oh non, il est pas content! Il s'en va, il est pas content! Regardez, voilà, c'est bon, il y a des trucs à manger! À l'aide! C'est bon, prends ta tour, toi, me fais pas chier! Oh là là, la course! Putain, je pensais pas que ça allait être aussi galère! Hop! En vrai, je pense qu'il faudrait que je prépare genre un steak. Catastrophique cette journée. T'es qui lui? Aidez-moi s'il vous plaît. Avez-vous vu mes parents? Maman, maman. Ah, il va venir m'aider à la cuisine. Dites-moi qu'il va venir m'aider à la cuisine. Je ne retrouve pas ma maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma maman m'a laissée seule hier parce qu'elle avait un manteau à repriser. Mais elle n'est pas revenue. Il va sentir que mon époux ne l'a pas vue. Il lui est peut-être arrivé malheur avant qu'elle n'arrive. Nous vivons dans une époque redoutable, mon garçon. C'est dangereux de parcourir la ville en solitaire. Allez, déguerpis, je vais bientôt ouvrir. Non, madame, s'il vous plaît. J'ai très faim. Vous n'aurez rien à me donner. Maintenant que j'y pense, il doit me rester un petit quelque chose. Tiens, bouffe de la viande humaine. À ton jeune âge, ça t'aidera à grandir. Merci beaucoup, madame. Vous êtes un ange. Au revoir. Mais viens bosser pour moi. Cela m'accordera peut-être une place au paradis. Je pense que ça ne suffira pas.
Oh là 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 là, trop de trucs à gérer, hein. Oh là là. Beaucoup trop de trucs à gérer. C'était une catastrophe. J'ai loupé une table, quoi. Bon, je vais lancer ça. Elle essaie de se rassurer, ouais, c'est ça. Hop. Bon, la couture est méga rapide. Ah bah, d'ailleurs, un peu trop rapide. Bon, bah, j'ai un peu de tissu d'avance. Ça, on va y faire cuire. Ah, on va cuire tous ces cadavres, hein, parce que... Enfin, on va les hacher, pardon. Parce qu'il y a de quoi faire, là. J'ai fait combien? Ah non, j'ai fait 45. Non, ça va. Donc, j'ai fait un peu plus, quand même, en bénéfice, mais bon. J'ai galéré, hein. Oh, j'ai perdu 60 points de réputation parce qu'il y a eu deux clients négligés. Non! C'est les deux tables. Merde. Qu'est-ce que... Oh, en tout cas, je reprends pas une table tout de suite. Hein. Est-ce que je prendrais pas un mannequin en plus? De toute façon, j'ai toujours pas assez pour acheter pour une nouvelle recette. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Non. On va bien remplir le présentoir. Deux clients et deux personnes à la fin. Ah ouais. C'est cher la négligence. Putain, mais c'est abusé. Hein. Il reste encore de la place. On a masse de trucs à faire. Hein. Après, est-ce qu'il y a des trucs que je peux accélérer peut-être? Je vais regarder. Je pense qu'un autre mannequin, ça serait pas de refus quand même. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que avant d'ouvrir, je vais préparer d'avance un steak et des tourtes que je laisserai là. Et comme ça, j'aurai un petit peu d'avance. Ouais, je pense qu'un mannequin, clairement. Mannequin en plus. Voilà, parce qu'en plus, là j'ai pas mal de tissu. Comme ça, je pourrais utiliser celui-là. Nickel. En plus, alors, les vêtements se vendent bien, donc. Hop. Ça, je remplis. On va relancer de la couture d'avance. Hop. Voilà. Donc ça, les présentoirs, c'est bon. Je vais les relancer quand même des tourtres. C'est pas des passe-plats, les trucs au fond sur la droite du mur? Si, mais je crois qu'ils sont là juste pour décorer. J'ai pas l'air de pouvoir... Ou alors c'est une amélioration pour plus tard, peut-être. Ça, j'ai plein de trucs qui sont pas... Là, le seul truc que j'avais loupé, c'était ça. Parce que le jeu m'en avait pas parlé, mais j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Hop, je lance ça dans le four. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Mince. Ah ouais, mais il me reste que 18$, je pourrais rien faire. Livre, pardon. Si, je peux décorer un peu. Pour améliorer la patience. On peut tenter en vrai, hein, parce que... En fait, je commence à comprendre pourquoi y a des trucs pour améliorer la patience, parce que... Là, les gens qui sont partis, c'est parce qu'ils avaient plus de patience. Donc à la limite, vas-y, je peux prendre ça. Décoration. Ça a décoré un peu. Ah ouais, j'ai rajouté une plante ici. Ah, trop bien. Ok. Ça, ça couille. Hop, je vais lancer un steak. Ouais. Non, ils sont pas très patients, les clients. Surtout à cette époque, là, ça prend du temps de faire bouffer, quoi. Il y a la lettre aussi. Ouais, j'ai reçu un courrier. Mes chers collègues, comme je l'ai dit dans une lettre intérieure, je vous observe depuis longtemps avant même votre arrivée à Eater Blue Lake. Lorsqu'il s'agit de nourriture, aucun lieu ne m'est inconnu. C'est ainsi que j'ai entendu parler de votre boutique à Merseyside, qui vous a apporté une petite fortune. Malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre et vos concurrents vous ont accusé de vendre de la viande de rat. Ah, c'est pour ça qu'on est parti de notre ancienne ville. Ok. Ce qui a entaché votre réputation. La nouvelle a fait le tour de la presse locale. Je savais que les forces de l'ordre auraient tôt fait de mener l'enquête. Et soudain, un incendie. Lequel de vous deux a trouvé cette brillante idée? Votre précédent établissement avait été réduit en cendres. À l'intérieur, gissaient des cadavres méconnaissables, portant des habits des propriétaires. Tous vous croyez morts, mais je suppose qu'à ce moment-là, vous étiez déjà loin. C'est excellent. Je dois avouer que je suis presque tombé dans le panneau, moi aussi.
Plus tard, un couple mystérieux a ouvert une boutique à South Folk, prétendait proposer les meilleurs tours de la viande de la ville. Quelques-uns de mes amis disaient même qu'on pouvait s'y restaurer en charmante compagnie, la patronne étant une très belle femme. Il aurait pu s'agir d'une simple coïncidence, deux couples différents à deux endroits opposés, et rien de tout ceci n'aurait semblé étrange. Sauf que quelque chose ne collait pas, mes soupçons se sont confirmés lorsque la boutique de South Folk a fermé. On vous a vu partir précipitamment avec très peu de bagages. Quelqu'un aurait-il découvert votre secret ? Et nous ici maintenant à Hilter Blue Lake, toujours la même rengaine. Un couple venu d'ailleurs qui prépare des mets esquis. J'ai fait des recherches pour tenter de démêler le vrai du faux. J'ai donc découvert sans surprise que vos clients ne ressortaient pas tous vivants de votre établissement. Je ne vous blâme pas pour vos us et coutumes. Force est d'admettre que ce n'est pas grand chose aisé de trouver de la viande de qualité. Du coup, c'est pas la première ville qu'on fait, en fait, quoi. Roalen. C'est clairement pas la première ville qu'on fait. C'est déjà la troisième ville, en fait, où on ouvre un restaurant comme ça. Sauf que on n'a pas fait le coup de l'incendie. Hop, allez, je prépare juste la viande, comme ça, c'est fait. J'ai encore envie de faire pipi. À l'aide. Je vais peut-être hacher ces clients-là, ça sera fait. Le jeu est très très cool, hein, en tout cas. Il est vraiment très chouette. La musique est bien, les graphismes sont bien, c'est très drôle. Hop. J'aime bien. Pour une fois, je suis déçue d'avoir mangé un repas sans viande. Qui veut une petite tourte dans le chat? Ou un petit hamburger? Petit hamburger à poil de barbe. Ah. Putain, il doit forcément y avoir des trucs, genre des dents. Ah, hamburger, dégueulasse. Allez, ça y est, je suis prête. Bon, allez, cette fois, on dépote, hein. Je veux plein de sous-sous. C'est parti. J'aimerais bien acheter une nouvelle recette ou bon, une nouvelle table, ce sera pas pour tout de suite. Hein. J'y arriverai jamais à gérer deux tables. Je vais courir. Où sont mes clients? Allez, hop, hop, hop. Venez acheter. Venez vous faire tuer. Un habit acheté. Une tourte offerte avec votre femme. Ou plutôt, une tourte offerte au goût de votre femme. Ah, ça prend déjà des trucs sur le présentoir. Je me prépare. Hop là. Tac, tac, tac. Je surveille la table. Hein. Cette fois, je la surveille. Oh merde, il y a quelqu'un à table. Table, 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 table. Et pendant ce temps-là, paf. Bah, elle est où la bonne femme? Mais hé, dis donc, je lui donne des jus de faire des trucs et elle le fait pas. Okay. Prends la commande. Ah, ils veulent un... D'accord. Ah bah parfait, j'avais déjà commencé à préparer. Ok, ils prennent pas tout le temps la même chose non plus, faut que je fasse gaffe. Bon, pour le moment, j'ai assez de vêtements à vendre. Hop. Le présentoir, c'est déjà bien vidé par contre. Ça cuit. On aura un autre live sur le jeu. En vrai, pourquoi pas, hein, je pense pas me faire rembourser celui-là, surtout vu le prix, hein, vraiment. Ah, parfait, il m'achète un truc lui. Hop. Poussez-vous. Bordel, c'est pas possible. Tac. Tu n'as plus rien sur le présentoir par contre. Hein. J'arrive madame, j'arrive. Faut y faire cuire ça ou Non, c'est bon, c'est pas.
Bon, la table mange. C'est tout bon. On va aller repréparer des plats d'avance. Ok, la table s'en va, faudra surveiller. Il y a déjà plus rien sur le présentoir par contre. En vrai, deux fours, ça serait pas mal aussi. Hein. Après là, ce qui est bien, c'est que pendant que ça cuit, je pourrais préparer un petit steak d'avance. Hop. Ouais, il y a déjà plus rien sur le présentoir. Ça c'est prêt. Il n'y a pas de table, hein, c'est bon. Ouais. Personne à la table. Les vêtements partent bien. Ça c'est chouette. Allez, achète ta petite tourte, toi. Ah, il y a une commande, il y a une commande, attention. On va vite prendre la commande. J'ai aussi une personne à tuer, c'est important, écoutez. un steak. Bah écoutez, c'est parfait, j'en ai fait cuire un juste avant. C'est vraiment nickel, quoi. Elle est où? Ah, j'arrête pas de bouger, je suis perdu. Là, ça y est. Hop. Par contre, il n'y a plus rien sur les présentoirs. Hein. Je pense que quand t'as la table, le présentoir, c'est un peu bonus quand même. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. Ça va être compliqué. Ah oui, il a une manière de déchirer les vêtements, ouais, carrément. Par contre, tous les cadavres qui s'entassent, on n'a pas de frigo, donc c'est un peu compliqué, quoi. En vrai, on a fait un peu plus de sous, quand même. C'est plutôt cool. Il y a juste ce présentoir que j'ai du mal à tenir. Voilà, c'est... Ouais, je pense que là, il n'y aura plus d'autres clients. Ouais, c'est fini. Ah, il repasse. Mais il est toujours avec son serviteur. Bon, les corps périment quand même. Il était temps, je rentre. Attends-moi ici, et ne t'avise pas de t'enfuir. Les disparitions sont légion dans ce quartier. À ta place, je ne m'éloignerai pas trop. Oui, monsieur Carson, je ne bouge pas d'ici. Ah, je vais pouvoir le tuer. Ah, j'aiguise bien mes ciseaux. Parfait. Ravi de vous revoir, monsieur... Ravi de vous revoir, monsieur Carson. Je vous attendais. Bonjour, Percival. Prenez place devant le miroir. Je me trompe de voix. Bien, vous ne perdez pas de temps. Eh ben non, je pète d'impatience de mettre mes ciseaux dans ta trachée. Je pars dans quelques jours, l'ami. Je vais cette fois dans une contrée dangereuse, peuplée de bêtes féroces. Mon fusil me sera d'une aide précieuse. Ces animaux pourraient se jeter sur moi à tout moment. Des créatures voraces et majestueuses que voilà. Cela dit, je les préfère suspendues au-dessus de ma cheminée. Vous me comprenez certainement, Percival. Oh, tout à fait, monsieur. Tout à fait, je vous comprends. J'ai toujours chassé, mais je n'aime pas les armes à feu. Je préfère attendre que ma proie tombe dans mon piège, telle une mouche prise dans une toile d'araignée, avant de l'achever d'un coup de poignard. Je ne l'aurais jamais deviné, moi qui pensais que vous aviez toujours été d'ailleurs. Je garde ce genre de choses pour moi. Mais il semblerait que le secret ne fasse pas long feu ici. D'ailleurs, vous connaissez peut-être un homme surnommé MJ, étant donné votre notoriété dans cette ville. La réponse est évidente. Ok, j'aille, ma réputation me précède. Je connais bien des hommes dont le nom commence par J, mais la liste serait interminable. C'est une personne qui ne peut pas vous voir en peinture, avec qui vous ne vous entendez pas. Tout le monde m'apprécie, Percival. Cessez de m'importuner avec vos histoires. Qui pourrait vouloir votre mort? Assez! Je n'aurais jamais dû venir dans ce trou à rats. Comme d'habitude, la bienséance est insane. Fort heureusement, je vous trouve ennuyeux à mourir. Paf! Oh, il m'a mis un pain! Vite! Fais quelque chose! Oh là! Plaquage, attention! Oh
Oh la vache! Ah, cette violence! C'est bon, il est mort. Moi, je mettrai un petit coup dans l'œil quand même au cas où. Commencez à me taper sur les nerfs. C'est une mauvaise idée de venir ici. J'espère que ce MJ nous réserve une belle récompense. J'espère qu'il va donner masse flouze, ouais. Je dois trouver où cacher le corps. Hein. Au frais de préférence. Eh ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de frigo. Comment on fait? Je l'ai suspendu comme un cochon. C'est la pièce la plus froide de la maison. La chair y sera mieux préservée. Super. Ah, parfait. Que fais-tu ici? Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Seriez-vous et parti monsieur Carson? Il m'a dit d'attendre devant, mais je suis rentrée dans la taverne à l'étage du dessous. Ça sentait drôlement bon et j'avais un peu faim. Ensuite, une gentille dame m'a servi une tourte. Elle était succulente. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Alors, je cherche monsieur Carson, mais il est introuvable. Serait-il déjà parti? Oh, il y a quelques minutes de cela. Vraiment? Vous a-t-elle dit où il allait? Sans lui, je ne peux pas payer pour le repas. Non, il n'a rien dit. Mais je suis sûre qu'il reviendra te chercher. Ne t'en fais pas pour la tourte, c'est la maison qui régale cette fois. Oh, merci du fond du cœur, monsieur. Vous êtes si gentil. Je ne crois pas que monsieur Carson reviendra de ce si tôt. Il m'en veut sûrement de lui avoir désobéi. Il m'a acheté et peut me remplacer à tout moment. Dans ce cas, trouve-toi un autre emploi. Ah, je vais avoir un serviteur. Un stagiaire, pardon. Tu ne tiendras pas longtemps sans le sou ici. Tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Pourrais-je vous aider? J'apprends vite, vous savez. Je vais y réfléchir. Merci mille fois, je reviendrai vous voir. Ah mais non, mais reste. Non, parce que je commence à courir, donc s'il pouvait au moins prendre les commandes des tables, ça m'aiderait beaucoup. Dad aurait peut-être besoin d'un coup de main à la taverne. Et oui. Complètement que oui. Regarde-moi tout ce foutoir. Non mais c'est le bordel là. Je suis désolée. Hein. C'est un énorme merdier. Il pourrait venir m'aider. Là, regarde, il fout rien là. Il veut pas tâcher sa petite chemise, c'est ça? Super. Comme d'habitude, c'est la femme qui fait tout. Super. Oh là là. C'est pour ça qu'on tente de le tuer. On risque de pas pouvoir vendre ses habits. Bah si, justement, on va pouvoir les rapiécer encore mieux. Être de la qualité encore plus grande. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme amélioration? Je peux peut-être prendre des tomates. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais... Un train de semelle. Hop, allez, on va refaire de la saucisse. De la bonne saucisse. Eh, zéro client négligé. Mince, pourquoi je ferme à chaque fois? Je peux prendre encore un mannequin, mais franchement, ils se vendent pas assez vite, donc c'est pas la peine. Table de travail, c'est bon. Je peux débloquer un four supplémentaire. Ça peut peut-être être utile en vrai. Plus de viande hachée, plus de chauchiche. Ça, non, c'est vraiment pas nécessaire pour le moment. Prendre une autre table. Pas tout de suite, pas tant que j'ai pas d'aide. Un autre présentoir, j'arrive même pas à les remplir, donc c'est pas la peine. Ça, c'est pour la patience. Pour le moment, ça va. Ah, ça y est! Un petit coup de main. Embaucher un serveur qui s'occupera des clients. Putain, ça coûte 70 livres! C'est ultra cher! Oh! À l'aide! Oh! C'est cher. Écoutez, j'ai très envie de prendre les tomates, quand même. Qu'est-ce que je fais? Je prends les tomates ou j'économise pour le serveur? Économise pour demain, ouais. Ouais, ouais, vous avez raison. Je vais peut-être économiser. Je descends, j'entends. Yes. Parfait. Sous l'intérêt d'un stagiaire, normalement, tu le payes pas. Bah oui, mais pourquoi d'un coup, là, il faut que je le paye, n'importe quoi. C'est vraiment dingue, cette histoire. Ouais, on va prendre d'abord le serveur, et comme ça, après, je pourrais prendre une table en plus, prendre un four en plus. Ça sera mieux comme ça, je pense.
ça commence à gicler de partout. Mais est-ce qu'on nettoie un petit peu de temps en temps? Vraie question. Hein. Ouais, parce que ça doit sentir, mais alors laisse tomber. Quoi. Regardez, il y a mon petit cadavre qui est là. Quel bel homme. Bon, je vais préparer des plats. Les présentoirs... Ouais, les présentoirs sont pleins. Non? Bah si, attends, j'ai un doute. Pendu devant la fenêtre. Oui. Ah, c'est vrai que c'est pas très discret, oui. J'avais même pas fait gaffe. Tu sais, les gens, ils doivent voir une ombre, une silhouette devant la fenêtre qui est bien en hauteur, comme ça. T'es en mode... Ouais... c'est un peu bizarre. Nickel. Vraiment nickel. Hop. Ah si, bah, y a encore de la place sur le présentoir. Ah non, le présentoir est prêt. Ok. Bon, bah, je vais poser ça là. Je vais faire cuire mon steak. Et je vais refaire une pause pipi. Hein. Je suis désolée, j'ai encore envie de faire pipi. Décidément. En tout cas, je me fais beaucoup rire. J'aimerais bien acheter des skins aussi, mais ça coûte cher. J'espère qu'avec le serveur... là, vraiment, notre problème... Là, ça va, on arrive à... Les clients sont pas trop mécontents, etc. Mais le problème, c'est que... C'est qu'on fait pas beaucoup de bénéfices, je trouve, encore. Faut qu'on arrive à améliorer ça. En vrai, si ce genre de jeu, ça vous plaît... je vous en avais parlé, d'ailleurs, à un moment donné, de faire des jeux de gestion. Je vais ouvrir, hop. Si ça vous plaît, je pourrais essayer de peut-être d'en trouver d'autres... Des jeux de gestion dans ce goût-là. Après, celui-là, c'est vrai qu'il est très particulier. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans ce genre-là. Si jamais vous avez vent de jeux assez atypiques comme ça, n'hésitez pas à me proposer. Hein. Je regarderai aussi de mon côté. Ah, oh, mais lui, il me fait trop rire. Ah, il est juste devant. Bon, j'ai déjà des plats prêts. Ah, je vais déjà pouvoir remettre un truc sur le présentoir. Ah, attention, il y a quelqu'un qui arrive en haut. Non, ils peuvent pas descendre dans la cuisine, heureusement, parce que sinon, on serait dans de sales draps. Je vais pouvoir remettre un truc. Hop là. Tac. Alors, si vous voyez quelqu'un vers une table, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et en plus, ça reste dans le thème un peu horreur. Ouais, bah ouais, c'est parfait. Après, on peut faire des jeux de gestion aussi qui sont pas forcément sur l'horreur. Hein. Ah, il y a une table. Table. Je vais monter. Ouais. Moving there. Et coucou Mauve, tu vas bien? Je sais pas s'il y en a d'autres, ouais, dans ce délire-là. Il doit forcément y en avoir. Faudrait que je fouille. Si jamais vous avez vent hein, de trucs un peu dans ce genre-là, ou comme le point and click qu'on avait fait, où on devait cacher les corps aussi, qui était super cool. Hop, allez, on va relancer ça. C'est parfait, ils ont commandé pile le truc que j'avais déjà préparé. Les présentoirs se vident déjà à une vitesse. Mais laissez tomber. Vas-y, achète-toi pour que je puisse remettre un nouveau truc. Hop. On va te refaire à bouffer. Ah pardon monsieur, excusez-moi, je vous avais pas vu. J'arrive. Voilà. Oui, mais oui, non, mais carrément, il y a quelqu'un qui bosse plus que l'autre, hein. On se demande qui. La table est toujours là. Ils sont pas partis encore. Faut vraiment que je remette des trucs sur le présentoir, je crois qu'il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus grand-chose. Je vais mettre le steak, hein, je pense. Hein. Ça se vend un peu moins cher, mais c'est pas grave. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Hop. Elle en est où? Hop. Ah, la table s'est vidée, attention. Je répète, la table s'est vidée. Peut-être d'autres gens qui vont arriver. Pour le moment, ça sert à rien que je prenne un mannequin. En tout cas, on va pouvoir prendre le serveur, et ça, c'est cool. Je vais refaire un steak. Ah, j'ai plus de saucisses! Oui, il y a une table qui arrive en plus. Ouais, j'ai entendu. J'arrive. Comment elle marche, elle?
Putain, mais pousse-toi! Elle me bloque en plus, quoi. Ils veulent quoi? Une tourte? Ah bah, parfait. Bonjour. Voilà, c'est ma manière de dire bonjour ici. Et coucou Kiki. Oh, comment elle s'est posée derrière, incroyable. Attends, on va vite s'occuper de la tourte en priorité. Hop, 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 hop. Je me demande si on peut vraiment, si quelqu'un peut vraiment trouver le cadavre. Peut-être qu'on prend pas de rendez-vous de toute manière, parce que là, c'est vraiment la salle juste des rendez-vous. Peut-être que de toute manière, on prend pas de rendez-vous tant que... Bah, tant qu'on a... on a déjà un client sur le feu, entre guillemets. Ah, c'est ça mon temps pour les servir? Ouais, c'est ça, ok. Dernier client. Eh, on a fait pas mal de bénéfices, je suis contente. Le présentoir est resté plein. Ça, c'est chouette. Alright. Alright. Faire quelques steaks, au moins c'est rapide à faire. Ah mais Kiki, elle adore se poser comme, comme une grosse pâte à pouf, là. Elle fait trop rire quand elle se cale comme ça. Merde, c'est pas couille. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres gens encore qui viennent, mais... c'est pas grave. Et j'ai 6 de tissu, wow. C'est bien. Je pense qu'on peut... préparer quelques cadavres. Hein. C'est quand que j'ai ma récompense là? Ah! Ça me fait peur à chaque fois. Les fils du jour, 39 livres. Putain, c'est pas beaucoup encore. Hein, Mais nous avons un nouveau courrier. Attendez. Quelle joie, vous avez réussi à le tuer. J'étais tentée de venir immédiatement me sustenter, mais je me suis réfrénée. Je me suis dit que le banquet serait parfait avec toutes les victimes. Je suis persuadée que cette attente serait récompensée. Oui, comme ça, les cadavres ont bien moisi. C'est une très bonne idée. Ça aura bien fermenté, quoi. Mon père disait toujours que la patience était une vertu. Jamais je n'aurais pensé m'accorder avec lui. Cette ordure n'a jamais été un bon père. Il me laissait seule avec les domestiques et me couvrait de cadeaux, tous plus inutiles les uns que les autres. Alors que je ne voulais que lui... À sa mort, j'ai hérité de sa fortune colossale et dépensé son argent sans compter. Mes chers amis, vous auriez été des invités d'honneur à chacune de mes fêtes, en compagnie de citoyens nantis, de nourriture délicieuse, de femmes et de bonne musique. Ah, c'était le bon vieux temps. Mais cette époque est révolue. Je n'étais qu'un enfant. Aujourd'hui, j'ai troqué les mondanités contre une vie tranquille. J. P.S. Quel effet cela fait de prendre une vie? Cela doit être affreux. Je ne pourrais jamais commettre un tel acte. T'as quel enfoiré de dire ça, quoi. Alors, je veux bien que vous tuez des gens pour moi, mais par contre, à tuer, c'est terrible, quand même. C'est celle-là, la table. Elle est là, la table. Et là, on va pouvoir prendre le serveur. Et je peux peut-être même prendre autre chose. Du coup, je suppose que... Là, ça va nous servir, ça, je pense. J'aurais plus qu'à monter au présentoir. Et encore, peut-être pas. Il va peut-être s'occuper du présentoir aussi, je sais pas. Ouais, non, j'ai plus de mannequins. Alors, qui on va s'occuper de ça. Comme ça, moi, j'aurais juste à rester dans la cuisine. Je pense que c'est ce qui va se passer. Attendez, je vais le prendre tout de suite. Allez, mon petit traîne, je sais plus quoi. qu'est-ce que je prends? De toute façon, four, je peux pas. De saucisses, non. Ah, j'ai pas assez pour un autre mannequin, dommage. Je prends une autre... Non, j'ai pas assez. Oh, Je vais peut-être attendre un petit peu, en vrai. Traîne semelle. Ah, attendez, est-ce que je peux prendre un skin, peut-être? Ah, ils sont chers, les skins. Celui-là, il est beau, hein. Le collectionneur. Parce que nous, on a celui-là, là, pour le moment. Collectionneur est pas mal. J'ai pas assez. Sinon, je peux prendre le skin cordon bleu. Celui-là est très beau. Est-ce qu'on prend un skin? Est-ce qu'on essaye de prendre genre tous les skins? Ou est-ce qu'on économise pour des skins plus jolis? Et cinématique. À l'aide. Bah oui, c'est le gamin qui arrive.
C'est un cannibale, mais il dit que c'est affreux, mais oui. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Percival m'a parlé de toi. Bonjour, oui, je m'appelle Josh. J'étais l'assistant d'Eliott, mais c'est d'histoire ancienne. Il a disparu. J'ignore où il est passé. Les gens vont et viennent, tu sais. La dernière fois, Monsieur Rod a dit que je pouvais travailler ici. Il est très gentil. Tout à fait, j'ai besoin d'un coup de main à la taverne. Si tu suis mes instructions à la lettre, tu seras bien payé. Je vous obéirai au doigt et à l'œil, madame. Suis-moi, je vais tout expliquer. Il s'appelle pas Train Semelé, ouais non. Voici le présentoir. C'est ici que les clients se servent. Tu n'as qu'à placer les plats que je te donne dessus. Ok, ouais, donc j'aurai plus besoin d'aller à la cuisine, ça c'est cool. Je vois. Je t'enverrai les repas avec ce monde plat. C'est bête comme chou, n'est-ce pas? Oui, c'est très clair. Tu devras prendre aussi les commandes aux tables. Je préparerai les commandes avant de te les envoyer. S'il y a du monde, occupe-toi en priorité des gens attablés. Ils rapportent plus d'argent. D'accord. Je suis très rapide, Ildred. J'y arriverai. Pour finir, le gin. J'en ai pas. J'aimerais en acheter un tonneau pour les clients quand ça sera possible. Servons une bouteille aux clients attablés qui s'impatientent. Ainsi, tu auras plus de temps pour faire tout ton travail. Voilà. Pas de problème. Avez-vous besoin d'aide en cuisine? Ah, j'oubliais la règle d'or. La tête. Je t'interdis d'aller en cuisine. Ah, mon zoom marche plus! Pourquoi il marche plus, mon zoom? C'est un peu buggy, je crois. Je crois que c'est un petit peu buggy. Si tu oublies cette règle, tu seras congédié sur le sang. Sur le sang. Eh, sur le sang. Oh, n'ayez crainte. Je ne descendrai pour rien au monde. Parfait, tu me plais bien. Nous allons faire du bon travail ensemble. C'est certain. Fail 1, mais... Ouais, mais pourquoi ça bug? Tout compte fait, cela pourrait me simplifier la vie. Lapsus révélateur, exactement. Bon, attends, j'ai encore des gens à découper. Découpons des gens. D'avance, comme ça c'est fait. Attends, je vais faire un truc aussi vite fait. Parce que je sens que mon PC est un peu chaud. Ah mince, attendez. Je vais juste faire ça d'abord. Je vais relever encore les températures. Tac. Merde. J'en ai pour 2 secondes. Il m'a dit de regarder la température du CPU. C'est où ça? CPU. Non, ça a pas l'air d'être. Ça a pas l'air d'être très, très violent. Hop. Ah ouais, il y a vraiment un problème avec ma carte graphique, en effet. Ouais, les températures que j'ai prises la dernière fois en live, je sais pas si vous vous en rappelez. J'avais pris les températures en screen aussi, pour l'envoyer à mon réparateur. Et en effet, j'ai la carte graphique qui monte beaucoup trop en température. Donc il m'a dit peut-être un problème de pâte thermique autour de la carte graphique. Peut-être. Ce qui expliquerait les lags. Voilà, j'ai juste pris les petites captures. Et là, ça fait la même chose. Et en effet, je sens que mon PC est bien chaud. Je vais juste préparer 2 petits plats d'avance. Comme ça, c'est fait. On va manquer de cadavres. Ouais, on a un petit peu de viande d'avance quand même. Et j'ai encore 4 de tissu. Donc on est pas mal quand même. Un autre four, je pense que ça serait vraiment bien. Baking time. Pouit. En tout cas, lui, il va bien m'aider, ouais. J'aurais plus besoin de surveiller les tables et tout. La pâte thermique de la carte graphique, ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Ça éviterait de racheter une carte graphique. Après, le problème, c'est que quand ça surchauffe comme ça, c'est qu'il faut voir si la carte graphique a pas... A pas pris cher, quoi. Mais bon, il avait fait des tests et tout. Il n'y avait pas de message d'erreur, donc
Je sais pas. C'est vraiment pas évident, hein. Hop, allez, je vais cuire ça. Surtout en ce moment, c'est surtout que la carte graphique, j'en ai pour 900 euros. Voilà. Donc autant, s'il faut que je change de pros, ça va me coûter un peu cher, mais je pense pouvoir m'en sortir. Mais alors, s'il faut changer la carte graphique, là, ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué. Hop. Ah oui, pardon. Allez, je finis ça. Pourquoi il y a encore... J'ai encore reçu un courrier ? Donc oui, il va bien falloir que j'oublie pas d'utiliser ça, en fait. Ah oui, j'ai encore un courrier. J'ai envie de finir comme le mec à l'étage. Mais non. Courage, Alexis. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Surtout, reste... voilà. Essaye de pas trop stresser. Fais des petits... Dis-toi que t'es devant une personne... lambda, entre guillemets. Essaye de rester zen et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je me souviens très clairement du moment où cette idée a germé dans mon esprit. Le balcon de ma chambre offre une vue spectaculaire sur la ville. Dès lors que le brouillard se dissipe, on peut voir le cimetière. Un jour, je l'ai contemplé jusqu'au crépuscule. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je pensais à toute cette viande que nous gaspillons dans ces temps difficiles. Seuls les vers pouvaient profiter de cette bonne chair. Après avoir lu des livres de biologie, j'ai appris que de nombreuses espèces animales se mangeaient entre elles. Apparemment, seuls les êtres humains s'en privent. J'ai cédé à la curiosité et décidé de goûter le goût de la chair humaine. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'abord rendu à l'hôpital de la ville, puisque les docteurs détiennent main corps à examiner et à analyser. Je demandais un cadavre pour une de mes connaissances, mais l'homme a refusé, en dépit de mon graissage de pâte. Mon graissage de pâte. Non, il n'a pas sorti de la graisse, hein, il a sorti de l'argent. Les fossoyeurs se sont laissés convaincre bien plus facilement. J'ai pu me procurer un sans-abri. Personne n'avait remarqué sa disparition. J'ai cuisiné son corps chez moi, et puis j'ai goûté le goût à cette chair. Il n'y a plus de retour en arrière. Toutefois, j'ai commencé à éveiller les soupçons et dû cesser mes activités, à mon grand regret. Mais votre arrivée fut une bénédiction, je pense... j'arrive plus à parler. Je pense honnêtement que ce banquet sera à la hauteur de mes attentes. Ok, allez, c'est parti. Ça va chier. Mon petit truc cuit. Ah, c'est par téléphone. Eh ben écoute, c'est encore plus relax. C'est encore plus relax. Parle juste doucement, fais pas comme moi, sinon tu vas mâcher la moitié des mots. Présente-toi, ouais, il est plein. Ils font quoi les clients là? Oh, zou, vite. Moi j'ai déjà deux plats qui sont prêts. Alright. J'adore sa voix, elle est trop bien. Ah, il y a des clients qui arrivent en haut. Bef. Coucou de Vakin. C'est Sweeney Todd le film, mais en jeu. Clairement, c'est ça. Si tu connais le film, tu vas tout de suite comprendre. Il y a une commande. Ah, il s'en occupe? Ouais, c'est bon. Tac. Je peux lui envoyer déjà des plats sur le monde charge. Ah, ils veulent des saucisses. On va faire des saucisses. On va vite faire des saucisses. On va nettoyer ici. On peut faire les petites saucisses. Je peux lui monter ça aussi. Au risque de décevoir, je ne connais pas. On est un tailleur. On tue les gens. On récupère leurs vêtements pour les rapiécer et les revendre derrière. J'ai besoin de tissu. Bah, prends le tissu, espèce de... Neuneu. Ils ont eu leur commande? Ah non, les saucisses sont là, merde. Et on garde les cadavres, en fait, pour faire de la nourriture avec. Et le donner aux clients, évidemment. Voilà. Et c'est un jeu de gestion, et en vrai, c'est très drôle. Paf! Voilà, ça c'est fait. On va vite relancer à bouffer. Ah, j'ai un peu traîné pour les saucisses, hein. Faut que j'essaye d'être plus rapide. Tac. Bon, il y a encore plein de trucs sur le présentoir, ça c'est cool. Merde! Attendez!
Ouh là là. Attendez, attendez, j'ai oublié de m'occuper du cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il boude? Qui boude? Ah, c'est les clients qui ont trop attendu. Merde. Bah ouais, j'essaie de me dépêcher, mais... Tac, on va faire manger encore. Vite, nettoie. Bon, le présentoir est bien plein, ça c'est cool. Il me fait gagner beaucoup de temps, cet enfant. J'adore la voix du mec, elle me fait kiffer. Bon, on a eu des clients moyennement satisfaits par contre. Je crois qu'ils ont beaucoup trop attendu leur saucisse. D'ailleurs, je vais broyer quelques cadavres, ce sera fait. Oh là, il y a déjà plus... Oh là, c'est la course. Attendez, monsieur, j'arrive. Je vais vous tuer dans 2 secondes. J'arrive. Je suis désolé, mais... Aussi vite que je peux... Tape qui arrive, ils vont sûrement me demander une autre commande. Ah merde, non c'est pas ça que je vais faire. Ah bah c'est ça qu'ils demandent, et bah parfait. Au moins eux ils vont être servis vite. Toi dépêche-toi de t'occuper de ça. Hop tu vois on récupère leurs vêtements, hop. Et merci beaucoup pour ton follow de Vakin. Hop on le jette là. Et du coup le cadavre descend en bas. Et nous, hop, on le récupère pour faire de la bouffe. Et c'est parfait. Alors le jeu est très drôle. Hein. C'est très marrant. Et j'ai plus de vêtements à vendre. Et c'est un vrai jeu de gestion. Hein. Faut être bien coordonné, etc. Tu peux faire des améliorations. Enfin voilà. Y a plus rien sur le présentoir. À l'aide. De toute façon, c'est les derniers clients. Je pense que j'aurais pas le temps de vendre d'autres trucs. Bon, en tout cas, ceux-là, ils étaient contents. Mais ceux d'avant, ils sont trop attendus. Hein. Moi, j'ai fait combien de bénéfices? Oh, pas tant que ça, hein. 45. On monte. Ça s'améliore. Mais c'est très... C'est très léger à chaque fois comme amélioration de bénéfices quand même. Client patient 1. Bon, ça va encore. En vrai, ça va. Et la réputation de la boutique continue de grimper. Je sais pas du tout ce que je vais prendre comme amélioration. Je vais finir d'abord mes trucs. That sounds so good. Hop. En tout cas, c'est bien cool de plus avoir à monter à la cuisine. Ça me fait gagner du temps. Coucou Alexandre, tu vas bien? Ils ont de bon goût, ouais, t'es mort. Bah écoute, apparemment, ça marche plutôt bien, le commerce est florissant. Vraiment, ça marche très très bien. Ça marche tellement bien que les gens se bousculent, que j'ai pas assez de saucisses, etc. Là. Hop. Donc, on prépare un nouveau vêtement. J'ai préparé des plats d'avance. Tiens, je vais faire des tourtes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Est-ce que je prends un deuxième four? Est-ce que là, j'ai 70. Présentoir, pour le moment, ça sert à rien parce que je mets trop de temps à faire à bouffer. Ah, je voulais tester une nouvelle recette. Ah, oh, je vais prendre des tomates. Vas-y, je vais prendre des tomates. Bon, bah, j'ai déjà plus de sous. ouais, non, je vais... Les tomates, ouais. Comme ça, on pourra peut-être faire une nouvelle recette. Je suis curieuse. Et il me reste pas grand-chose. Du coup, bah, je crois qu'on va rien dépenser d'autre. Hein. Ça suffira, je pense. Voilà, je dois encore satisfaire aux demandes de ma femme. Dredd veut des tomates pour élaborer de nouvelles recettes. Je peux faire de la place dans la serre du grenier. Ah, on va avoir une serre pour quelques plants de tomates. C'est assez ensoleillé là-haut. J'ai déjà commencé à préparer quelque chose, mais il est temps de terminer. Voyons voir. Ah, cool, nouvelle pièce.
On a toujours un cadavre qui est au frais. Le grenier pue la charogne, mais la fière allure. L'argent peut faire le bonheur, finalement. Ce sera l'endroit parfait pour cultiver des légumes savoureux. Je peux planter des graines de tomates ici. Commençons par mettre de l'engrais dans la terre. Cet engrais m'a coûté les yeux de la tête. Quoi diable, les excréments sont-ils si chers? Je vais les placer dans un seau près de la baignoire brisée. Je ne débourserai pas un penny de plus. La prochaine fois, je ferai mon propre engrais. D'ailleurs, j'ai une idée de génie. J'utiliserai un cadavre. La baignoire fera office de bac à compost. Oh putain, mais... mais en fait... ouais, on va tout faire. Non, non, en vrai, le jeu est complet. On va faire masse de trucs après. Hein. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Ou bien des étrons, en l'occurrence. Super. C'est incroyable. Servons-nous de l'engrais, Hildren n'aime pas attendre. Ok. Coucou, Lordinou, tu vas bien? Sur les plantes tomates, hop, on met l'engrais. On cuisine des gens, Lordinou. C'est un jeu de cuisine, ça devrait te plaire. Voici pour vous, stupide plante. Hâtez-vous de pousser. Il est méchant avec les plantes. J'ai l'impression de réapprovisionner les ingrédients d'Hildred. Cet emploi devient stressant. Oh, j'allais oublier, j'ai un rendez-vous. Le moment est idéal pour mettre en pratique mon plan. J'en viendrai plus tard pour voir la progression des plantes. Vous en avez de la chance, une belle occasion vous attend. Cela devrait vous consoler. On va tuer une vieille dame. Elle fera un très bon engrais. Vous avez dit de pas me mentionner... De quoi? J'ai pas compris. Tomate pour les spaghettis. Boyonnaise. Oh, elle est bien celle-là. Ça sera sans douleur, je vous l'assure. Pif! Votre chair fera des merveilles. La viande sera sacrifiée, mais si Hildred veut des ingrédients, c'est inéluctable. Prenons le cadavre. Ok, donc il va me falloir des cadavres pour l'engrais et pour... Putain, j'ai masse tissu. Hein. Et pour... pour la bouffe, quoi. Ouais, mais bon, moi, les gens... Hein. T'as pas cuisiné des gens. La décomposition va prendre un certain temps. Bah oui, tu m'étonnes. Attendant, cueillons ces tomates, elles sont prêtes pour la récolte. Ouais, j'ai des tomates. Je vais pouvoir parfumer mes petits plats. Trop bien. J'ai envoyé les tomates à Hildred grâce au monde plat. Ah, c'est un monde plat, ok. Hildred te servira dans la cuisine. Ok. Cool, là, je récupère mes petites tomates. Oh, quel homme attentionné. Prenons-les. Un peu de basilic, exactement. Merveilleux. Ok, les tomates sont là. On peut désormais préparer de nouvelles recettes. Oh! Mais je veux voir. Oh, 3 étoiles, ça veut dire qu'on va vendre cher. Je peux faire, mesdames et messieurs, des lasagnes de chair humaine. Mmh. Ça a l'air trop bon. Alors je peux faire ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des boulettes! My Ubi favorite. Donc ça, elle aime bien en faire, d'accord. Oh, on va faire des lasagnes! On va faire des lasagnes! Donc il me faut la viande hachée, de la farine et des tomates. Ah vas-y, je vais essayer tout de suite. Viande hachée. Avant d'ouvrir la boutique. Mini vomi, mais non! Hop, farine et tomates. Tac. Est-ce qu'il reste de la place sur le présentoir? Oula, oui, encore. Ah ouais, ça sent tellement bon. J'en mangerai pas, mais ça sent bon. Hein. Mes clients, ils vont être contents. Tac. C'est bon, lui, il installe sur les présentoirs. Et hey, ça se passe bien. Je vais refaire des petites saucisses. Miam, miam. Le pire, c'est que je commence à avoir super faim. Les bonnes lasagnes. Hop. T'as intérêt à prendre rapidement le jean, sinon les gens vont attendre longtemps pour les lasagnes. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pas bête. Alors attends, est-ce que... Je crois que le jean, j'ai pas assez en plus. Non, c'est 35. Nouvelle recette. Ouais, ouais, ça j'ai vu. Tiens, bon, on va faire des boulettes. Il me reste encore un plat. Hannibal Now.
Vous avez pas faim? Moi j'ai faim. Ah oui, c'est déjà 14h14. Putain, mais je m'amuse tellement sur ce petit jeu. Je me demande si on fera pas une deuxième session en vrai, parce que je m'abuse beaucoup. Mais bah, il va bientôt falloir que j'arrête le live, malheureusement. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Oui, d'ailleurs, j'en reparle avant d'oublier, j'en ai reparlé tout à l'heure. Je vous mets le planning ce soir sur les réseaux, le planning live. Normalement, j'emmène pas mon PC cette semaine, donc. Enfin, normalement, je vous redis ça. Hein. Donc, il devrait. Je vais peut-être le ramener ici, lui, non? Ah, ou alors, attends. Le compost, c'était fini? Il était prêt? Ah oui, 5 sur 10. Il est peut-être prêt, le compost. Du coup, normalement, il devrait y avoir des lives cette semaine. Hop, on va faire pousser des tomates. Et du coup, le prochain live du soir, bah, ça sera demain soir. Voilà. Et puis, bah, le reste, bah, vous verrez ça sur le planning. Les vêtements, on est tout bon. Il y a tout ce qu'il faut sur le présentoir. Les petites recettes sont prêtes. Écoutez, c'est parfait. Boulette de viande, c'est un peu comme dans Don't Starve. Oui, c'est ça. Allez, on ouvre la boutique. Je veux faire moult bénéfices. Moult, moult. Lui, je vais peut-être le redescendre, par contre. Donc lui, ah ouais, il va devoir gérer deux étages. Et en plus, je peux pas embaucher. Je pense pas que je pourrais embaucher d'autres personnes, parce que c'est la seule pièce safe, c'est ici. C'est là où il y a zéro cadavre, quoi. Je peux peut-être relancer un tissu, là. C'est fait, comme ça. Allez, ça arrive déjà. Je vais lui lancer des boulettes. Attention, lancer de boulettes. Hop là. Pif. Je m'éclate beaucoup trop. Alors, faut bien que je surveille si jamais... Ouais, il y a une commande, attention. Oh, des saucisses. Forcément, il me demande un truc que j'ai pas du tout préparé, quoi. Ah, mince. Attends. Faut que j'évite ça. Bon, un deuxième four, ça serait vraiment pas du luxe, hein. Et puis ceux qui sont à table nous payent plus, donc... Hop. Vite, nettoie-toi. Bon, bah, j'attends que les saucisses soient prêtes. Prépare un cadavre en attendant. Quoique, non, attends, lâche. Ah, je le fous par terre. Attends, madame, je te reprends après. Les saucisses en priorité. Oh, j'ai déjà plus de vêtements, quoi. C'est bon, là, lancer les saucisses? Ouais, c'est bon. On va faire à bouffer. Ah, du coup, les clients sont pas très gentils. Enfin, pas très contents. Mais du coup, s'ils sont pas contents, ils sont pas gentils, non? Chla! Toi, t'es pas gentil non plus. Allez hop. Ouais, il va falloir acheter du jean. Hein. Du jean et un deuxième four, je pense. Clairement, ça sera pas mal. Tu sais, je vais refaire des lasagnes. Poup, 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 poup. Attends, j'avais pas un cadavre sur le feu? Ah si. J'ai oublié. J'avais oublié que j'avais un cadavre sur les bras. T'imaginais à la fin du jeu, le bâtiment il est immense. Ça va être un merdier. Allez, nettoie. Il n'y a pas encore d'autres tablés. Il y a encore des trucs sur le présentoir. Blood everywhere. Il faut vite que je refasse du tissu, moi. Ah, il va y avoir une commande. C'est quoi? Commande en priorité, hein. Des saucisses! Mais ils ont quoi avec les saucisses? C'est dingue, ça! Qu'est-ce qu'ils ont avec les saucisses?
J'ai plus de place pour du tissu? Ah bon? Oh là là, j'ai plus de vêtements de prêt. À l'aide. Vite, les saucisses, les saucisses. Les saucisses. Saucisses! Ouais, et du jean, leur patience. Et les clients sont vraiment pas patients. Hein. Ils veulent vraiment manger vite. Hein. Attends, je te tuerai après. Alright. Tac, c'est bon, les saucisses sont servies. Paf. On commence à faire un peu de bénéfices quand même, malgré tout. Je vais faire des lasagnes en priorité, hein, parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui le vend. Ah, c'est ce qui se vend le plus cher. Après, on va bourrer Marie. Marie. Ah ! Marie. Mamie. On va bouffer mamie, exactement. Il faut s'occuper du cadavre aussi. Bon, les clients sont contents, mais ils auraient pu être plus contents s'ils avaient moins attendu, quand même. Oh là, il va falloir que je m'occupe des cadavres. Ouais. C'est qui, Marie ? Je sais pas. En voilà une surprise. Qui sont ces étranges graines? Qui sont? Hein? Elles se trouvaient dans la poche d'un client. Je vais les planter dans la serre pour voir ce qu'elles donneront. Ah, oh, nouveaux légumes. Nouvelle recette. Basilic, non? Je devrais les fertiliser de temps en temps. Et là, j'ignore à quel moment elles révéleront leur vraie forme. Je suis bien curieux de le découvrir. En tout cas, mes tomates sont prêtes. Qu'est-ce que je prends comme amélioration? Hop, j'envoie les tomates. On va remettre du compost pour d'autres tomates. On va s'occuper des cadavres. Ça a l'air bien dégueulasse. Tac. Bon, je fais une toute dernière journée parce que vraiment, je m'amuse beaucoup trop. Mais après, il va falloir que j'arrête. Malheureusement. Écoutez, vous me direz si vous voulez un deuxième live sur ce jeu ou pas. J'ai peur que ça soit un peu répétitif au bout d'un moment, mais en vrai, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs quand même, hein, à faire. Hein. Donc je sais pas, faut voir, je vous laisse me dire. Faut que je fasse des lasagnes. Ouais, il y a une bonne évolution quand même. Hein. Puis il y a une petite histoire en plus, donc c'est chouette. Ah oui, en tissu, ouais, je suis blindé. Hein. Je sais pas si je prends un autre four, une autre table, un autre mannequin. Je ne sais pas. J'hésite. Je vais refaire des lasagnes déjà. Parce que ça se vend bien les lasagnes. J'ai une envie de cuisiner. Normalement, en deux lives de 3 heures comme aujourd'hui, le jeu sera fini ou proche de la fin. On est à 3 heures de live déjà? C'est passé si vite. Tiens, je vais préparer des saucisses aussi, vu qu'apparemment, ils aiment bien les saucisses. Ah, il me reste plus qu'une tomate. Oh, les tomates m'épartent si vite. Et par contre, comment je récupère les cadavres pour... Ah, elle utilise le monde plat. Eh ben, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oh là là, mais bougez-vous la nouille. Pourquoi il récupère pas ce que je lui ai envoyé? Ah, parce qu'il n'y a plus de place sur le présentoir. Ah non, il y avait des tomates à récupérer. Oh, autant pour moi. On va y arriver. En vrai, j'aimerais bien faire un jour un live cannibale. Non. Non, un live trompe-l'œil. J'y avais pensé. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il y a un moment, hein, peut-être un ou deux ans. Et en vrai, ça m'intéresserait beaucoup, genre pour le prochain Halloween, peut-être. Ou peut-être avant, si on peut. Hein. Faire un live cuisine, mais trompe-l'œil. C'est où
qu'on fait comme des trucs qui ressemblent à des boyaux, machin et tout, mais ça, évidemment, ça n'en sera pas. je vais vous rassurer un peu. Un live cannibale. Non, ça vous dit pas un live cannibale. Oh, je comprends pas. Tac, tac, tac. J'ai encore les saucisses à faire cuire. Ah non, oh, saucisses et tomates, ça fait quoi? Tiens, essayons. je pars en freestyle. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je voulais refaire une dernière fois des lasagnes. Eh, mais j'ai plus tant de viande que ça, hein. Ah, ça met un petit X. Genre, ça marche pas. Saucisse et tomates, ça marche pas. Qui se chevite. Oh, merde. Oh, genre, je peux pas, quoi. Nimp. Et du coup, je fais quoi avec? Ah, genre, ça a disparu, quoi. Ah, d'accord. Super. Bah, je vais refaire encore des lasagnes. Ouais. Merde, attends, j'aurais dû mettre ça à cuire. Non, on mange ses voisins. Je vais bouffer mon coloc avant qu'il parte. Avant qu'il déménage. Quoi que non. Nope. Tac. Allez, ça c'est bon. On va pouvoir ouvrir la boutique. Tac. Allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir. On va se prendre des petits skins, comme ça on va pouvoir les tester. Vu que ça va être la dernière journée qu'on va faire pour aujourd'hui. J'ai 66. Écoutez, j'ai très envie de prendre Patron Sanguinaire, il est très beau. Hop. Et on va prendre le collectionneur. Eh, comment on va être stylé là? Oh, trop beau. Eh, classe ou pas classe? On est classe là. On est plutôt très très classe. Elle fait voir. Oh, elle est trop belle. Nickel. Eh ben c'est parti, allez, on ouvre. Dernière journée pour faire un peu d'argent. On va être beau pour nos victimes. Eh, ça fait classe, ça fait le vrai resto, tout ça là. Est-ce que je peux déjà les mettre sur le monte charge pour gagner du temps? Vu qu'il n'y a pas de place en haut, je suis pas sûre. Où sont mes clients? Tiens, vas-y, je vais emmener les tomates en attendant, ça sera fun. Oui, ma chérie. C'est de parler de viande qui te fait venir? L'autre qui pendouille, tu vas en faire quoi? C'est pour un client spécial qui nous a demandé de tuer une personne en particulier. Mais du coup, bah, on attend qu'il vienne le chercher, quoi. Pour le moment. Ah, et déjà... Kiki, arrête de me pousser, quoi. Allez. Ah, il y a des gens des gens à la table. Attention. Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent une tourte. Très bien. Alors, viande hachée. Mais non, mais lâche-moi ça. Viande hachée. Merci Tekken Mio pour ton follow. Bienvenue à toi. Est-ce que tu veux une petite tourte à la viande humaine? Ça te tente ou pas? Tac, on nettoie. T'as fini, oui. Ça couille. Ça couille, ça couille. Ah, le gin, ça sera le prochain truc que je prendrai. Hein. Tac. C'est bon, j'ai envoyé la tourte? Ouais, je crois. Les présentoirs se sont bien vidés. Oula, mais il faut que je prépare des cadavres aussi parce que y a plus rien là. Eh, les journées se sont pas rallongées un peu? J'ai l'impression, non? Oula, mais j'ai plus de vêtements. Ah! À l'aide! Ok, eux ils mangent, ils sont plutôt contents. J'ai plus de viande. Ah, on va être en manque de viande, quoi. Alright. Alright. Ah,
sur la table et part. Il a bien envie d'en goûter un bout. Hop, on remplit un peu le présentoir. J'ai plus de vêtements. Et j'ai plus de tissu aussi. Faut que je nettoie. On fasse à bouffer là, parce que... As fast as I can. En plus, il y a une tablée qui arrive, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'espère qu'ils vont pas me demander de la viande hachée, faut que j'en prépare en plus. Ah bordel. Chier. Évidemment. Évidemment. Là, les saucisses, ils en veulent plus, hein, forcément. Attendez, monsieur, j'arrive pour vous tuer, mais... Je fais ce que je peux, hein, mais vraiment, là, j'ai 46 trucs sur le feu, vous m'excuserez, hein, mais... C'est pas évident, hein. Regardez, le steak, c'est limite, là, hein, au niveau du temps, en haut. C'est bon, j'ai envoyé le steak. Voilà, c'est ça. Putain, je pensais pas manquer aussi vite de cadavres, hein. Dernier client déjà. Il y a 2-3 trucs sur le présentoir. Ah, pourquoi ils étaient pas contents? Ah, ils ont trop attendu, ils ont trop attendu. Ils sont beaucoup trop attendus, quoi. Pas évident, hein. Mais on a fait du bénéfice quand même. Mais bon. Non, ça. Il en faudrait encore plus. Toujours plus. Plus du bénéfice. Ah, j'ai presque envie de dire, vas-y, la prochaine fois qu'on y joue, je fais un cosplay. 51. En vrai, ça monte. Ça monte. Progressivement, mais ça monte. Ah, ma kiki. J'ai disjoncté, mais non. N'importe quoi. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est déjà 14h30.